Et yo les gars, CNC, on se retrouve pour un nouveau petit défi. Alors je vous le rappelle, tous les défis sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Hier, donc le 5 décembre, j'ai fait déjà tous les défis adoubés. Donc les défis adoubés. J'ai fini aussi tous les défis didacticiels. Et donc aujourd'hui, on va continuer exploration et on va faire aussi quête de la semaine. Donc c'est parti, je lance déjà la petite partie. On n'oublie pas évidemment le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite pour acheter le pass de combat. Ou alors si vous avez déjà le pass de combat, quelques skins dans la boutique. Même un seul skin. Ça me soutient énormément, donc n'oubliez pas à le faire. Et puis ça me fait très plaisir au lieu de soutenir des gros streamers, etc. Donc c'est parti, on lance la petite partie. Je vous le rappelle, mais il n'y a pas de montage. Parce que ben je fais directement le défi en même temps que vous. Parce que je pourrais, par exemple, là, le défi d'aujourd'hui, c'est fouiller 5 coffres d'adoubé. Et ben les 5 coffres d'adoubé, je pourrais les faire avec un montage et je me mets devant le coffre, hop, je vous dis regardez, il est là sur la carte, hop, je l'ouvre. Mais je préfère vous montrer directement le meilleur chemin avec les 5 coffres. Comme ça, si jamais vous voulez le faire en une seule partie. Et puis même comme ça, autrement que le défi, si jamais vous voulez avoir les coffres, vous allez connaître un très bon spawn. Alors l'un des meilleurs spawns, les gars, c'est la citadelle. Il y a 4 coffres, il me semble, là-dedans. Mais c'est beaucoup trop risqué, la citadelle. Il y a beaucoup d'ennemis. Et puis, l'un des coffres de la citadelle est tout le temps pris. Donc, moi, je vous conseille pas du tout. Donc, je vais vous montrer le meilleur spawn, vous allez voir, dès que ça lance. Et en attendant, sachez que j'ai un skin Bambi parce que je suis sur mon compte secondaire. Parce que sur mon compte principal, j'ai déjà fait les défis. C'est pour ça que je connais les spawns par cœur, des coffres, etc. Et normalement, les coffres devraient spawn à 100%. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais normalement les gars, est-ce que les coffres ils spawnent à 100%? Parce que je sais que les coffres normaux, vous avez peut-être, je crois, une chance sur deux que le coffre il spawn pas. Mais normalement les coffres adoubés c'est 100%. Et vous avez vu la belle pioche que j'ai, il faut faire 3 défis exploration. Donc si jamais vous les avez pas fait, eh bien regardez regardez mes vidéos quoi. Pour avoir cette magnifique pioche gratuite sans le pass de combat en plus. Hop. On va directement sauter, vous avez vu où j'ai mis le point. C'est très loin. Essayez quand même que le spawn soit loin. Vous voyez là le bus, il est là. Franchement c'est assez loin. Donc c'est parfait. Plus c'est loin, plus il y aura d'ennemis. Non, bah non. Moins il y aura d'ennemis. Du coup c'est parti. Hop. Let's go. Donc là je vais vous montrer vraiment un spawn où il y a 5 coffres. Faut juste croiser les doigts qu'il n'y ait pas d'ennemis les gars, mais ça j'y peux rien pour vous. Si jamais il y a un ennemi, c'est comme ça. Hop. Donc moi j'en ai déjà fait 3, il m'en manque plus que 2 pour le défi. Mais je vais quand même vous en montrer 5 parce que le défi c'est 5, c'est pas 2. Donc même moi s'il m'en manque 2, je vais quand même vous montrer le défi. Et je vais vous montrer les 5 spawns. Très très simple. Donc là les gars on va clairement juste prendre les coffres. On s'en fiche des autres loot. Hop. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'ennemis. Donc le premier est juste là, les gars. Je vous montre sur la carte, c'est à gauche de la citadelle, juste là. Hop. Donc sur le toit, on récupère le premier. Hop. Le deuxième, normalement, il est juste en dessous. Faut juste que je le trouve. Hop. Où est-ce qu'il est? Parce que je connais les spawns, mais exactement où il est, ça c'est une autre question. Hop. Normalement, il est tout en bas. Hop. On va le trouver, vous en faites pas. Où est-ce qu'il est le petit filou? Ah, il est là. Parfait. Donc vous avez vu, j'ai descendu tous les escaliers, les gars, et il est juste là. On le récupère. Hop, je vais même prendre ça. C'est une petite arme sympa. Hop, donc vous voyez, juste là, d'accord? Quand vous rentrez dans le bâtiment à gauche. On va continuer pour le troisième coffre. Hop, qui est sur le pont. Donc on y va, vous le voyez déjà. Vraiment là, les gars, je vous ai montré. Mais le meilleur spawn, même moi, carrément, je suis choqué. Là, c'est des spawns de ouf que je vous montre. Donc le troisième coffre, voilà. En plus, ça vous permet même de faire le défi des marteaux, etc. Donc ça, c'est parfait. Même des motos. Enfin, là, c'est vraiment un spawn incroyable. Vous pouvez me faire confiance. Le quatrième, il est juste là. Hop. On y va. Hop. Et vous le voyez, il est juste là. Hop. Un autre marteau. Est-ce qu'on peut prendre deux marteaux dans le spot? Oh, on peut prendre deux marteaux. Bah ça, je ne savais même pas. Donc vous voyez, juste là, les gars. Petite maison, donc ici, et le pont. Et le cinquième, on va y aller tout de suite. Hop. Le cinquième est un tout petit peu plus loin. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment un petit peu. C'est-à-dire c'est plus loin de même pas 1 mètre. Donc vous inquiétez pas. Hop. Et on se dirige directement vers le cinquième. Hop.
Le cinquième, je vais mettre un point pour pas que vous vous trompiez. Et c'est juste là. Vous voyez, les quatre premiers sont là et le cinquième juste là. C'est pas vraiment très loin entre nous. Le problème, c'est que là, il est peut-être déjà pris. Mais je ne pense pas. On va voir. Hop. Et voilà, parfait. Juste en rentrant, les gars. Juste là. Et voilà, on a nos 5 coffres. Et regardez, j'ai carrément le stuff parfait pour l'autre défi. Du coup, voilà. Hop. On a un gain de niveau. C'est parfait. Niveau 9. Hop. On vérifie si le défi est bien terminé. Normalement, c'est parfait. Il est terminé. Et donc, on peut quitter direct. Du coup, voilà. Ça, vraiment, les gars, c'était un défi incroyable. Là, franchement, je vous ai donné la meilleure astuce possible. Là, je suis désolé, mais c'est incroyable. Hop, on gagne un petit gain de niveau. Et on n'oublie pas, les gars, le code créateur NCU dans la boutique Fortnite pour me remercier de vous aider. Et puis, le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire. Allez, ciao!